Aujourd'hui, faire un film, ben, c'était ni plus ni moins que d'être concurrent et de prendre la place de deux compétiteurs. Et je pense que grâce au team d'AMS qui a répondu présent, on a pu faire une vraie équipe. Ça sort complètement de l'ordinaire. C'est vraiment un truc, pour moi, c'est génial. Qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Juste mettre le système de reconnaissance pilote, la boisson et la radio. Et pour travailler chez Europacop, mettre toute la caméra. Est-ce qu'on pourrait avoir un casque et un pilote, s'il vous plaît ? Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ok, alors, maintenant, regarde l'autre côté. Voilà. Quand un pilote, il est sur le circuit, il doit pas penser au cinéma, tu vois. Ça va très vite, hein, 350, la caméra, les autres voitures qui dépassent à dépasser, le freinage, tout, c'est comme à la Sagamore, ce que c'est dans la voiture. Le démarrage était là. Ah, aussi, oui. Quand tu montes dans la voiture, théoriquement, la voiture est déjà en position comme ça. Assemblée, fini, et stop, fait on, et start. Rendez-vous, mesdames et messieurs, dans quelques 20 minutes maintenant pour le top départ de ces essais qualificatifs. Savoir que le début de la course, il y a un truc important, c'est que c'est le seul moment où toutes les voitures sont groupées. Et il n'y en aura pas d'autres. C'est extrêmement important d'avoir des entrées de stand et des sorties de stand de Vaillant, des entrées de stand et des sorties de stand de Leader. Récupère les voitures pour mettre des caméras embarquées à l'intérieur des voitures. Chaque tour, c'est 4 minutes, donc un tour chrono, c'est 15 minutes. Ensuite, on se met en place pour toutes vos positions pour le coucher de soleil. Utilisez des longues focales pour qu'on puisse avoir justement les traînées des phares et aller dans les phares pour avoir des blasts. Il faut toujours penser, et ça c'est extrêmement important pour toi, on n'est pas en train de faire un reportage télévisuel. C'est vraiment des plans, tu peux partir vertical sur des têtes et puis tu arrives sur le vide et tu tournes. Donc la Vaillante, pour ceux qui ne l'ont pas vue, est bleue avec un V et porte le numéro 10. Et la Panos, qui est donc la Leader, est rouge et noire et porte le numéro 22. Et ne laissez pas passer la nôtre, c'est surtout pour l'hélicoptère que je dis ça, parce que c'est assez compliqué à les repérer. Et ensuite, le dernier point extrêmement important, c'est l'arrivée, où il faut qu'effectivement, là, on ne filme plus nos voitures, mais on filme la situation. Pour ce qui nous concerne, c'est rendez-vous ici demain matin à 10h. Voilà. Hein, en fait. Oui, oui, tout à fait. Et pourquoi tu vas pas te coucher là ? Ah, non, là j'ai pas minute à la minute. Un départ qui maintenant est prévu pour dans 1h et 14 minutes. S'il vous plaît, allez, on a besoin de tourner une séquence, vous êtes sympa. On a besoin de tourner une séquence, donc je vous demande un peu de discrétion. Dans le champ et ça va pas la faire. Okay. Vous pouvez reculer encore un petit peu, merci, vous êtes gentil. Après, je promets qu'on va. Moi, je préfère le truc. Ce qu'on peut se dire, c'est un son. 15h30, vous arrivez sur la grille, d'accord, les deux pilotes descendent. À partir de ce moment-là,
On est d'accord, on part pendant une heure et demie, comme on a dit hier soir, avec un arrêt au stand. Hélico au-dessus. Et 7 caméras qui tournent. Ouais, 7 caméras qui tournent. Okay. Les caméras, elles sont dans l'entrée des stands, caméra Pompidou, à Dunlop, une dans le Pescar, et des caméras embarquées. Ah, moi je suis au paradis, hein. Ah, j'ai toujours rêvé de ça, j'osais pas. C'est vraiment une cerise sur le gâteau de ma carrière. Donc là, nous, on tourne la foule. Là, on est dans une configuration très spéciale parce que même la course de char de Bénure, elle avait été reconstituée, ils pouvaient arrêter les chevaux. Nous, on ne peut pas arrêter les voitures. Il faut que ça tourne. Les acteurs sont là, on est prêts à partir. Dès que tu nous dis Banco, allez sur la piste, on y va. Je croyais qu'on avait une caméra à nous en bas, normalement. Tout le monde doit être prêt, ok? Je répète, tout le monde doit être prêt. Audi en tête et fait 100 tours. Ouais. Mettons que nous on n'est fait que 50 tours. Mais c'est ça, c'est exactement le cas. Donc on a 50 tours de retard. Ouais. Donc on est à 50%. Bah il faudrait pas qu'on ait une panne. Il faudrait pas qu'on ait un ennui mécanique. On a fait nos 50%. Là, la course, elle n'est pas finie.